Alors, je crois que l'une des premières bagages, c'est l'acte de naissance. Comme moi, j'ai fait le dossier à préparer en public, j'ai gagné l'état civil et nationalité. C'est-à-dire, toutes pièces correspondent à l'état civil, de l'État, nationalité. Je parle de la mesure pour capable de dire sous les intérêts que je m'en vais couvrir son passeport. Je dépose 6 passeports, mais je fais pour vous une partie d'accord. Nous avons les 3 derniers passeports, mais nous avons actuellement, disons, j'ai les photocopies annexées au reçu qui a été délivré par la commission du Sénat sur la nationalité. Ce sont les 3 passeports qui sont encore en possession de la commission. Donc, je dépose une copie, n'est-ce pas, de ce reçu, de ce que nous avons délivré, n'est-ce pas, de la commission sénatoriale sur la nationalité, au premier ministre désigné, et la photocopie, n'est-ce pas, de mon passeport. Donc, parce que les deux chinois n'est pas compliquant la position, donc cela vous fait au total 6 passeports. Toujours au vœu de la Constitution, de l'article 157 de la Constitution, pour établir que Laurent Salvador Ramos est propriétaire du bien immobilier en Haïti. Je vous dépose d'abord un certificat du notaire Gary Wilson Castagnol qui établit que Laurent Ramos est un propriétaire incommutable d'un bien situé au Bois Bernac. Et pour votre édification, pour l'occupation des membres de la commission, je dépose également une copie d'un arrêté qui date de 21 novembre 1962, lequel arrêté fait état que l'institution Lopé de Vega a été déclarée d'utilité publique. Donc, pour faciliter, n'est-ce pas, la commission, je dépose une copie, n'est-ce pas, de cette année. Facilité la recherche, n'est-ce pas, des membres, des honorables membres de la commission, la copie du décret qui exonère les institutions des paris d'utilité publique de la taxe dénommée contribution foncière sur les propriétés bâties. Donc, c'est un public. Alors, je prends quand même l'avantage de se déposer. Salvador Lamotte a fait sa déclaration pour les 5 dernières années fiscales. Ce sont les années d'abord 2006, les exercices 2006-2007, les exercices fiscaux 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. C'est le certificat qui a été délivré par la Direction générale des impôts. Vous savez qu'en Haïti, nous avons bien souvent ce qui arrive, n'est-ce pas, dans chacun, des problèmes d'identité. Et monsieur Laurent Salvador Lamotte est bien connu sous ce nom, Laurent Salvador Lamotte, qui en vérité, n'est-ce pas, à la vérité, c'est ce véritable patronyme, Laurent Salvador Lamotte, prénom vivant. Mais bien souvent, on l'appelle tout simplement Laurent Lamotte. Merci, président. À disposition de la Commission.
Thank you.